Bonjour à tous les amis, ici Eltrux et bienvenue dans la présentation d'une map qui s'appelle The Dropper. Alors je tiens d'abord à préciser que mon walkthrough dans Skyrim va prendre un petit retard parce que disons j'ai des projets de vidéo quoi et c'est pas évident pour moi de faire des vidéos des vidéos sur Skyrim en ce moment. Et j'ai aussi une vie privée et puis voilà quoi. Et de toute façon à l'heure où je vous parle de ma chaîne, elle est pas très connue. Donc je m'en fous, je peux faire encore ce que je veux. Et donc aujourd'hui on est dans une map qui s'appelle The Dropper comme je l'ai déjà dit. Et elle consiste à survivre à une chute, comme ce qui est marqué là. Et les règles sont de ne pas casser en les blocs et de jouer en hard. Option. Oh. Bon bah voilà. Et ben je crois qu'il est temps de tester. Je vous préviens, cette map est absolument géniale. Mais elle est aussi un peu pimp, je crois. Et c'est pas je. Bon. Un arc et une épée. Oui, je sais, hein, il y a... Ah, merde. Je me suis gouré de version. Parce qu'en fait, il y a une version où il y a plus de... Où, normalement, il y a des lits. Vous voyez pour changer son point de spawn à chaque fois. Ah, quoique, comme c'est tout le début, ça sert à rien, donc... Allez, on va essayer de se mettre un peu au milieu. Et on appuie sur le bouton. Ya Freeze de la mort. Oh putain. Vous voyez ça, c'est titanesque. Il faut que je tombe. Allez, ouais. Alléluia. Alléluia. Ah ouais, je suis trop fort. Bon d'accord, il y a eu un freeze au début. Résultat, j'ai pu m'arrêter à temps. Mais quand même, je suis trop fort. Alors, ah voilà. Bon. C'est... Comme vous voyez ça, c'est absolument génial. On tombe de tout là-haut pour retomber. C'est absolument génial. C'est super jouissif. On s'éclate en faisant cette map. Voilà, j'ai que ça à dire. On s'éclate. Alors, on se met bien au milieu. Histoire de pas tomber. Il faut surtout pas bouger. Alors, on va quand même vite avec ces nouveaux systèmes de senseurs. Ah ouais, je précise, si mes souvenirs sont exacts, oui parce que lorsque j'ai téléchargé la map, ils ont pas précisé quelle version c'est. Il y a une version antérieure, mais par antérieure je veux dire l'ancienne hauteur maximum des blocs. Si vous vous souvenez bien. Ce freeze est excellent pour cette transition, vous ne trouvez pas? Bon, ne nous égarons pas. Si vous vous souvenez bien, lorsque... voilà, je dors. Bon, ah! Ne t'égare pas, voilà. Vous vous souvenez, il y a pas très longtemps en fait, la map était... La hauteur maximum d'une map était de 126 blocs, ou un truc dans le genre, vous voyez. Et maintenant, elle est passée à 100 blocs. Et ben, il y a une version de la map qui est de 500 blocs. Qui est à la version 500 blocs. Donc, imaginez les tons. La vitesse à laquelle vous chutez. Bon, alors ça, c'est la version 126 blocs. Je vous invite grandement à... allez, là je suis mort. Ok, je vous invite donc à tester la map à 100 à 500 blocs. Bon, vous aurez le lien de la les liens de téléchargement, hein. Mais pour l'instant, faisons le truc. Allez. Ah, j'étais presque. Il manquait un bloc. Ah, c'est horrible ce jeu. Allez, on va y arriver.
Faut pas se décourager, il faut juste se mettre le plus loin. Allez, allez. Oui. Oui! J'y suis arrivé. Alors, l'intérêt des flèches, c'est que parfois on peut trouver des endroits sombres et des mobs peuvent apparaître. Et comme t'es en hard, ça fait mal. Et je fais ce qu'on me dit, je me mets en hard. Wow. Freeze. Des fois, les freezes, c'est sympa quand j'ai quelque chose à raconter. Là, autant, c'est pas utile. J'ai rien à raconter, donc... Ouais. Ah, allez. Je vais faire encore 2-3 sauts si je m'en sors, quoi. Et ensuite, je vous laisserai le plaisir de découvrir, hein, de finir cette map par vous, hein. Par vous-même. Et ensuite, Coucou, bon, hein. Oh, je peux très bien finir la map, hein, si je veux. Peut-être que, ouais, je peux. En fait, je crois peut-être que je pourrais finir la map maintenant. Vu qu'il y a 10 sons en total. Et, vous arrêtez la vidéo là, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Vous pourriez arrêter la vidéo maintenant. Vous savez le principe. Vous savez qu'il faut tomber, qu'il faut se réceptionner, qu'il faut pas mourir. Voilà. Essayez quand même d'avoir tous mes items. Histoire que, vous pouvez passer la nuit quand vous voulez afin et d'avoir un bon point de sauvegarde. Ce qui n'est pas inutile. Ouais. Et merde, il y a un freeze juste avant de passer. Allez, je veux passer, mais arrête-toi le freeze. Je veux passer. Là. Moi et mes grands talents de chanteur. Et je sais très... Et je m'ironise à moi-même. Attendez. Ah ouais, merde. L'ironie... si je me souviens bien, l'ironie, c'est se moquer... Ok, là, c'est la map. Ça se voit tout de suite. J'ai reconnu... truc. Disons que là, va falloir sprinter. Tu peux pas finir la map si tu ne sprintes pas. Ok, alors, je passe en mode nightmare. Oh yeah. Juste pour quelques secondes pour passer en mode salut. Ouais. Oups. C'est juste. En fait, là, je commence. Disons que vous pouvez pas le voir, mais j'ai un peu de mal avec les touches parce que. Comment dire. J'ai joué à Diablo 3. Voilà. Et j'ai un peu de mal à disons que je passe des heures et mes journées à jouer à Diablo 3, c'est absolument génial. Mais ça fait aussi un peu flipper de voir que quelle addiction on peut avoir pour un jeu. Et faut que je me réhabitue un peu aux touches de Minecraft. Allez, on saute. Yaa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 
Ah, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Désolé. Désolé pour tout ça, mais c'est mieux pour vous que je désactive le truc. Même si ça fait quand même un peu zarbe de voir la bedrock comme ça. De voir les trucs comme ça, qui vont vers le ciel, on dirait des âmes quoi. Je dois retourner vers la lumière. Le problème c'est que c'est la lumière du salon. Ah ouais. J'adore South Park. Voilà. Ouais, je fais encore deux sauts et ensuite j'aurais fait la moitié de la map, à vous de faire la seconde moitié quoi. Mais vu que je m'en sors super bien, bah là, ce sera pas une vidéo très longue. Mais je vous jure que c'est absolument horrible, c'est vraiment difficile. Disons que je m'en sors parce que j'ai déjà fait les sauts, j'avoue hein. Pour être sûr de ce que je vous dis, je fais les maps avant. Bon, là, ça commence à me saouler le coup des jeux. Tu montes, tu descends, tu montes et descends la FPS. C'est quoi le fun là-dedans? Tout ce que tu fais, c'est monter et descendre. Non mais citez-moi une seule activité amusante qui consiste à monter et à descendre comme ça. Hein? La spéologie. Ah, j'adore le joueur de grenier aussi. Oh là là. Ouais bon. Merde. À cause de mes conneries, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah ouais, le coup du que je suis bon. Ouais, c'est ça. Disons que ouais, je teste les maps avant de les faire. Ce qui me permet de savoir exactement ce que je veux. Parce que oui, je pourrais très bien tester une map sans rien connaître, sans rien faire. Ce serait possible. Mais là, là ce sont des présentations de map. Pour vous dire que c'est des maps bien. Et qu'il faut les tester. Et je vous invite bien sûr à quitter la vidéo à tout moment si vous voulez pas être spoilé un peu plus. Je vous invite même là à avancer la vidéo parce que ce temps, c'est l'ascenseur le plus long et le plus chiant que j'ai jamais vu de ma vie. Ah putain, mais monte, monte putain d'ascenseur! Je veux aller en haut! Je veux pas stagner et monter en continu. Il reste combien de... Ah, au moins je touche le bout. Ah ouais, je comprends, hein. Ah ouais, ça lague à ce point-là. Ah ouais, quand même. Je comprends pourquoi j'ai mis du temps, hein. Je vous rappelle que c'est quand même la hauteur maximum de Minecraft. Wow, je suis un peu déboussolé là. J'ai trop bu. Oui, ne bougez pas, arrêtez de bouger tous les deux. Ok. Vous ne pouvez dormir que durant la nuit, bien sûr. Ouais, c'est ça. Bon. Point de spawn, changé. Oh non, après. Oui, je sais, je suis un youtubeur médiocre qui freeze à chaque fois son écran d'ordi. Et je m'en excuse. Je m'excuse platement de cette médiocrité. Bon. Level 4. Ok, je vais chuter. Ah non, arrête-toi le freeze. Ok, maintenant. Ah merde, 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 merde. Allez, allez, oui! Yeah. Bon, je vais où moi? Là.
Non, c'est juste l'intérieur d'un bâtiment. Il doit y avoir une sortie quelque part. Bon, voilà. Ben, je fais une dernière petite map. Et ensuite, je vais vous laisser découvrir cette map jusque dans ses plus grandes profondeurs. Ah merde. Encore le même freeze que tout à l'heure, c'est-à-dire je me freeze juste avant la sortie comme ça. Tu vois bien la sortie, hein. Tu veux y aller, hein. Mais non. Je te freeze. Comme ça, tu te fais chier en bavant devant ton écran en disant allez, je veux aller à la sortie. N'est-ce pas? Ouais, je sais, j'ai un ordi de sadique. Oh là là. Dans un sens, cet ordi me ressemble. Ah, vous savez, moi avec le feu, hein. C'est une grande histoire d'amour. Ouais. Par contre, lui, il utilise les lags. Pour me faire... pour sadique. Wow. Wow, voilà, j'ai... Alors, saving pod, next level. Ouais, pourquoi je relis le panneau, tout le monde sait ça. Alors, ouais. J'adore. Ouais, si on est le matin, hein. Ok. Manzai. De toute façon, ça sert à rien d'avoir la bouffe pleine. Vous mourrez, hein. Alors. En général, c'est dur cette map parce que tu ne sais pas où tomber. Vous voyez, lorsqu'on tombe, c'est totale découverte en général. Où est-ce que vous tombez? Résultat, bah, c'est galère quoi. Mais une fois que vous le savez, c'est déjà plus facile. Parce que vous savez, vous avez vu, hein, à la map 2, je suis quand même mort. Deux fois. Ok, on fait quoi là? Oh putain. Et merde. À nouveau. Alors là, je risque de mourir quand même parce que c'est... Ça va être chiant, oui. La mine. Attention. Oui. Merde. C'était où qu'il fallait aller? C'est descendu super vite là. Ah ouais, en fait, je crois que la map. C'est ça, la map où il y a 500 cubes, c'est. C'est exactement le même level. Mais en plus grand. Allez, 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 allez. Merde! Ok. Au moins, je me suis rappelé où est-ce que c'était. Ou plutôt, pas rappelé, je veux dire vu, hein. Donc, on va se mettre dans la position qui pourrait nous avantager le mieux. Allez. Ouais! I got it on. Yeah, I got it on. Vous voyez, hein, il y a des monstres, donc forcément, hein, on peut mourir. Bon, je vous indique, j'essaie quand même de trouver la sortie qui est là. Bon, oups. Ouais. Magnifique bug de chunk. On voit bien l'intérieur et tout. Ouais, bon. Eh ben, c'est sur ce magnifique Dovahkiin en l'air qui est tellement puissant, qui vole grâce à la magie du Saint-Esprit. Allez, c'était Altrux et je vous dis à la prochaine pour cette fois-ci, je pense mon walkthrough dans Skyrim. À plus à tous.